Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur ce jeu de stratégie en temps réel dans l'espace. Il est vraiment vraiment sympa. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire au début, mais franchement ce jeu est vraiment très bien fait. Et plus j'échange avec vous, plus je suis convaincu que ce jeu a vraiment un bon potentiel. Si vous voulez échanger avec nous sur ce jeu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Il y a une section pour Infinite Galaxy. C'est vraiment un jeu très intéressant de mon point de vue. Même si je dois bien l'avouer, il reste complexe et technique. Comme je vous le dis à chaque vidéo sur ce jeu, il y a quand même une accessibilité qui reste difficile sur ce jeu. Il faut surtout être fan du style pour réussir à accrocher. Dans l'Alliance, on est pas mal à avoir accroché, mais certains, une personne ou deux, ont déjà décroché. On le voit, on n'arrive pas tous à monter, mais ça monte bien en puissance. On atteint actuellement les 11 milliards. Alors, tac, que je vous remette le classement. On atteint des 11 milliards. On est 20 sur 43 de vraiment actifs. On est une bonne dizaine et d'actifs une quinzaine. Donc ça avance bien, on a réussi à prendre notre première base stellaire, voilà, sans se faire attaquer. Donc comme je vous l'ai dit, on s'est déplacé, on a à présent un siège d'alliance, on va aller le voir tout de suite, tac, regardez, on y va. On a un siège d'alliance, donc le siège d'alliance, comme je vous l'ai dit, il suffit de prendre un créneau, de le réserver, et au moment où ce créneau se déclenche, de lancer un rallye pour gagner la base, et après on peut construire dessus, on peut renforcer, je peux y aller et mettre des troupes si jamais il est attaqué, puisque si notre alliance l'attaque, eh bien elle détruit notre siège. Donc on se met sur notre zone d'alliance et on est très bien. Regardez, on va aller voir la galaxie, voilà, on est là, on voulait en prendre d'autres autour puisqu'on est sur un territoire neutre, quand il n'a pas de couleur c'est que le territoire il est neutre, et nous on est SP1, on est bien ici, on voulait continuer d'avancer pour s'étendre un peu sur les territoires, mais on n'a pas assez de ressources d'alliance et on va devoir attendre. Et d'ailleurs, on a eu notre première alliance qui nous a demandé, qui nous a mis en ami. Et l'autre alliance nous a enlevé des ennemis. Alors, c'est les Gores qui nous ont mis en ami, il me semble. Je ne sais pas où ils sont situés. Ils sont là. Les Gores nous ont mis en allié à présent. Donc, eux, on a des bonnes relations avec eux, normalement, sur le papier. On peut voir les alliances qu'on a en ami ou en ennemi, que je vous dise pas de bêtises, dans paramètres. Et dans relations d'alliance, vous avez toutes les alliances, vous pouvez définir un statut. Par exemple, ici, je peux définir que les sols sont en relation amicale. C'est des FR, donc on se met en relation amicale avec eux. Et on a les MJO aussi. Alors, je peux les rechercher, ça ira plus vite par les initiales. C'est MJO ou MJ0? Non, c'est bien MJO. Et aussi, on les met en amicale et on est détente avec eux. Et vous le voyez, on a plusieurs alliances qui sont en amical, donc on est très bien. Et les Gorgons sont aussi une petite alliance, ils sont 16, mais ils sont déjà eux à 17 millions, à 16, alors que nous on est 20 qu'à 11 millions. C'est parce qu'on n'avance pas tous au même rythme, on joue tous à plusieurs jeux, et effectivement c'est compliqué d'avancer vraiment rapidement dans ce jeu. Donc la suite pour nous, c'est bien évidemment de continuer de s'étendre, pourquoi pas sur ce territoire là, et aller chercher cette base stellaire là qui est toujours neutre pour le moment. J'espère qu'on aura assez de ressources pour aller la chercher, mais pour le moment, on monte en puissance et on réunit les quantités qu'il faut dans la banque d'alliance, dans les réserves de l'alliance, pour justement pouvoir aller la chercher. Les amis, le sujet que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est vous faire une démo et vous montrer comment se passent les combats stellaires. Alors, j'aurais pu attaquer des pirates de l'espace ou des aliens. Les aliens, c'est un peu balèze. Il faut faire des rallyes. Donc, je vais vous montrer pour le moment le mode campagne. Le mode campagne est très sympa. Donc, déjà, il faut que je collecte ce qu'il y a dans les récompenses de progrès. Tous les jours, je me connecte, je prends les récompenses de progrès. Vous connaissez ça dans tous les modes campagne ou histoire des jeux. Il y a des récompenses si on se connecte pour aller les chercher tous les jours. Donc, dans certains jeux, on remarque, par exemple, on a des sculptures en or, dans d'autres, on a des ressources. Là, ça dépend du niveau où vous êtes, comme partout. Et vous avez aussi une boutique. Alors là, la boutique, c'est hard. Vous le voyez, il y a évidemment des croquis de construction légendaires pour le bâtiment Prométhée, qui est très, très bien. J'aimerais bien l'avoir, mais pour le moment, je n'ai pas assez de crédit puisque je n'ai que 2906 crédits de campagne et c'est 5000 les 10 plans. Et pour construire un vaisseau, c'est, si je dis pas de bêtises, 50 plans. Donc il me faut 25 000 crédits.
C'est pas pour tout de suite que je vais donc pouvoir l'acheter. Après, je pourrais acheter d'autres choses, hein, mais j'ai envie de conserver mes crédits pour aller chercher ces croquis de construction. Au niveau du chapitre, on peut le choisir, hein. Vous le voyez, ça va jusqu'à 8. Et déjà, on voit une grosse différence quand je suis arrivé au chapitre 3 par rapport au chapitre 1 et au chapitre 2. On va aller dans le chapitre 2, je vais vous montrer une mission du chapitre 2. Je vais vous faire par exemple la mission 2-3. Il y a des missions où il y a des boss, je prends une mission volontairement où il n'y a pas de boss. Vous le voyez, classiquement, c'est de 1 à 3 étoiles. Alors, je peux en sortir ou pas? C'est, je vous montrerai après alors. C'est de 1 à 3 étoiles. Alors, quand on attaque, vous le voyez, on arrive tout de suite. Il y a la vitesse qu'on peut choisir en haut à gauche, donc x2 ou x1, en haut à droite, pardon, x2 ou x1. J'ai mon vaisseau principal et mon vaisseau amiral et tous mes vaisseaux secondaires que je peux lancer en faisant renforcer. C'est-à-dire, regardez en haut à droite, je génère en haut à gauche. J'ai du mal avec la gauche et la droite, hein. En haut à gauche, ici, avec le curseur, je génère un certain nombre de points. Et lorsque j'ai atteint ces points, je peux lancer mes vaisseaux. Hein, donc, je peux lancer mes différents niveaux de vaisseaux qui sont plus ou moins gourmands en nombre de points. Et après, ils vont m'aider. Le but, lorsqu'on va faire ça, quand on va commencer au premier niveau, dans les premiers chapitres comme celui-là, vous le voyez, on peut s'avancer. Je peux m'avancer. Mon vaisseau, il est très solide. Donc, je peux m'avancer et aller les latter directement au corps à corps avec mon gros vaisseau amiral, ce qui est plus facile, sachant qu'attention, hein, les points de vie du vaisseau amiral doivent rester au-dessus de 60%. Donc, pour être sûr de gagner ce que je fais, je peux même mettre un des spéciales, mon bouclier. Hop, vous voyez, je lance la frégate Cerbère 2 là qui va venir faire le ménage et je peux faire une petite explosion puisque j'ai un skill aussi, mon deuxième skill, la supernova en bas à droite. Regardez, tac, et ça détruit ou ça met bien à mal les défenses de tous les bâtiments qui sont déjà là. Le but est vraiment de conserver la barre de vie de mon vaisseau amiral supérieure à 60%. Vous voyez, je peux encore renforcer. Là, j'attends pas, je sors encore les petits vaisseaux. C'est parce que c'est une mission facile, c'est pour ça. Je dois terminer le stage en moins de 120 secondes. C'est les deux conditions et tuer tous les ennemis, bien évidemment, pour le finir. Et après, donc, selon le nom, il y a trois objectifs. Si je remplis les trois objectifs, j'ai forcément le nombre de rewards maximum. Et je finis la mission en 3 étoiles. On est vraiment, si vous jouez à d'autres jeux de stratégie, il n'y a rien de compliqué là-dessus. On a des rewards, c'est assez simple, tout va bien. Le fait de pouvoir accélérer, déjà, ce n'est pas donné dans tous les jeux. Je trouve ça très sympa. Ensuite, comme vous le voyez, hein, mes troupes, je les déplace en temps réel. On n'est pas sur des jeux où le combat ne permet pas de le faire. Là, vraiment. Tout de suite, je peux réadapter la position de mon vaisseau. C'est pas je lance une attaque et il ne bouge pas. Je vais vous montrer quand on arrive au chapitre 3 la grosse différence que j'ai constatée. Au chapitre 3, tac, je vais y aller, essayer de faire le chapitre 3. 3 d'ailleurs que je n'ai jamais réussi, je n'ai pas d'étoile. Le chapitre 3, la grosse différence, c'est que je ne peux plus bourriner comme je vous l'ai montré. Hein. Je ne peux plus avancer et aller directement au front, au combat. Il faut vraiment que si je veux atteindre et garder les points de vie de mon vaisseau amiral supérieurs à 60%, faut vraiment que je reste en arrière. Alors le désavantage, c'est quand je suis en arrière comme ça, vu que mon vaisseau amiral ne shoote pas davantage les troupes qui sont le plus loin, je prends moins de points, c'est plus long à monter pour envoyer des troupes de renfort, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais de l'autre côté, ça me permet de me protéger, sachant que regardez, on a en bas à gauche, que je ne vous ai pas montré, les renforts ennemis. Donc vous voyez, là, ils se rapprochent beaucoup, donc tout de suite, juste l'explosion. Les renforts ennemis qui arrivent dans 5 secondes, les renforts alliés dans 10 secondes. Donc là, c'est une mission qui est plutôt tendue, ça tire bien en face. Je surveille bien mes points de vie, leur renfort vient d'arriver, hein, les miens arrivent maintenant seulement. Vous voyez, je me fais attaquer là, donc tout de suite, je me shield, j'attends, je suis à 400 points. Je vais envoyer ma plus grosse flotte et ma plus grosse flotte, elle est à 600 points. Donc je vais attendre si je peux monter à 600, vous voyez, c'est un petit peu short hein, pour monter à 600. Je vais attendre que 480 parce que là, je pense que si j'attends trop, je vais bien évidemment mourir. Donc je sors mes vaisseaux de taille intermédiaire, ils sont plus costauds. Il frappe plus fort, je garde bien l'œil sur ma barre de vie, mais aussi sur la barre de temps terminée ce stage en moins de 120 secondes, hein, c'est 2 minutes. Donc vous voyez, là j'ai fait le ménage sur toutes les petites troupes, donc je peux commencer à avancer pour aller tuer le gros vaisseau. Il me reste 30 secondes, oh là là là, vous voyez là je me fais shooter, je me fais shooter, je me fais bien shooter, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. J'ai trop avancé, voilà, je suis passé sous les 60%, j'ai vraiment pas assuré, j'aurais pas dû autant avancer, j'aurais dû laisser mes vaisseaux avancer. Voyez, c'est vraiment touchy, sûr, c'est très sensible. Dès qu'on arrive au niveau 3, ça frappe vraiment tout de suite le vaisseau amiral. On n'est plus du tout
dans les chapitres aussi simples que le chapitre 1 et 2. Je vais le refaire et je vais tâcher de rester en arrière. Vous voyez, ce genre de toute petite erreur, ce qui montre que dès le chapitre 3 sur 8, on ne peut plus bourriner, même avec un vaisseau bien balèze. Hein. Mon vaisseau, c'est un vaisseau légendaire, c'est un Hadès, il est très puissant. Je suis plus puissant qu'il le faut pour le chapitre. Hein. Normalement, on peut le réussir bien avant. C'est pour ça que normalement, je suis détente et ça doit bien se passer. Et pourtant, vous le voyez, si je me fais charger en direct par le vaisseau principal en face, hein, le vaisseau principal qui est là en face, hein, si je me fais shooter directement par lui, alors voilà, il n'y va pas, hein, parce que là, j'avais cliqué, donc il y va. Je prends tout de suite cher. Alors, ce qui est bien, c'est que vous le voyez, même quand mon vaisseau fait des tours sur lui-même, il continue de tirer devant. Ses lasers sont devant, il continue de tirer. Donc, je suis pas pénalisé parce que je tourne le dos à l'adversaire. En revanche, vous avez vu, hein, même si on est dans du déplacement en temps réel, ça prend un certain temps de tourner le vaisseau et de fuir la zone de combat. Donc, je ne peux pas faire non plus n'importe quoi. Et quand je clique et que mon vaisseau avance, faut pas que je me dise si ça se passe mal, je vais pouvoir faire demi-tour rapidement. Donc là, j'attends pas du tout cette fois, puisque tout à l'heure, j'aurais pas dû, je pense, attendre. Et je lance tout de suite mes petits vaisseaux, hein, je crois que c'est mes petits Cerbères, qui vont tout de suite attaquer. Vous voyez, ça tire vraiment vite. C'est des vaisseaux fragiles, mais ça tire fort, ça tire vite, surtout. Et ils sont très nombreux. Alors là, je vais faire attention parce que je pense que je vais arriver à être dans la zone de tir. Ils vont pas me louper s'ils peuvent me tirer dessus. Donc on attend. J'espère pouvoir renforcer de nouveau. J'aurais peut-être pas dû. Oh, je me fais bien shooter là, vous le voyez. Hein. Ils ont commencé à shooter direct sur moi. Il faut que je me couvre derrière un autre vaisseau. C'est très très tendu là. Je vais relancer mes enfants, mes petits Cerbères là pour qu'ils y aillent. Il faut vraiment. Pas, il me reste que 10 secondes pour finir. Ça va peut-être le faire 8 secondes pour être dans les 120 secondes. Voilà. Vous le voyez, donc là, je me suis protégé derrière mon autre vaisseau quand j'ai commencé à être ciblé. Et j'ai réussi à atteindre les 3 étoiles. Donc, grosse différence. Il y a vraiment, je pense que par la suite, cette montée de niveau, d'ailleurs, si vous êtes plus loin dans le jeu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais je pense que par la suite. Quand on va, voyez, là il y a un boss en plus, quand il y a une tête de mort comme ça, c'est un boss. Je vais vous montrer comment ça se passe sur un boss. Je pense que le chapitre 4, ça doit être encore pire et ça doit être de plus en plus stratégique et vous apprendre de plus en plus le combat. Alors on va aller voir comment ça se passe sur un boss. Là vous le voyez, quand on est sur un boss, on a déjà nous des bases. On a une petite base intermédiaire, un petit canon qui est sur un astéroïde. Et le but est de terminer le stage, le niveau en moins de 240 secondes. Donc 240 secondes, c'est 4 minutes, hein, c'est un petit peu long. Vous le voyez, j'ai trop avancé, je n'aurais pas dû avancer. Déjà directement, j'aurais dû aller me couvrir entre les deux canons. Je dois tuer tous les ennemis et je dois avoir plus de 60% de points de vie. Alors moi, de mon point de vue et des missions que j'ai faites, le plus dur, c'est vraiment ça, hein, conserver un niveau de vie supérieur à 60%. Je me fais bien, bien tabasser. Il faut bien que je me sauve là. J'ai jamais fait cette mission. Je vais passer en vitesse x2 pour que ça aille un petit peu plus vite. Vous voyez, il faut vraiment que j'aille me protéger. Si je ne veux pas manger mes dents, je sors mes petits vaisseaux pour m'aider. Je vais faire un petit coup de supernova là. Alors pourquoi je ne vais pas au milieu pour faire une supernova? Le problème, c'est que si je vais au milieu, eh bien, je vais me faire tirer dessus vraiment et je vais me faire bien, bien latter. C'est pour ça que je fais ma supernova, mais je reste quand même à une portée respectable, je dirais, pour pas me faire tabasser. Sachant que là, hein, je mange quand même déjà cher. Vous le voyez, il faut que je suive, il faut pas que je reste. Si je reste leur première cible, c'est moi qu'ils vont shooter et non pas les canons. Donc mon but est de bien suivre. Il faut que je fasse ça, cette mission, ok, elle est claire. Il faut que je suive les canons et que je recule en même temps que eux avancent. Typiquement pour éviter de me faire manger un petit coup de supernova. On continue, ils vont jusqu'où? Voilà. Ok, donc ils suivent le chemin pour être détruits jusqu'à la base principale qui est ici. Moi, mon but de cette mission est simplement de tuer tous les ennemis. Alors on dit que c'est un boss parce que parfois il y a un gros vaisseau qui sort ou parfois il y a une base à détruire dans ce genre de niveau intermédiaire. Mais vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus complexe que la mission d'avant. Je dois me déplacer, j'avais pas d'indication qui me dit qu'il fallait que je me déplace. Il faut vraiment que j'arrive à anticiper leur mouvement, sachant que mon vaisseau, encore une fois, est lent, et très lent même.
Mais là, ça se passe plutôt bien parce qu'il n'y a pas de renfort. J'ai fait des missions avec des boss où il y avait des renforts comme la mission standard d'avant. Et c'était tout de suite un peu plus embêtant. Donc là, vous voyez, il y a deux canons. Je peux m'avancer. Je déclenche mon bouclier et je fais exploser. Et je n'ai pas terminé le stage en moins de 240 secondes. J'ai mis 242 secondes. Donc forcément, je n'ai pas les récompenses maximum. C'est la première fois que ça m'arrive hein, de dépasser le temps en général. C'était les 60% de vie restant qui me posaient problème. Voilà, donc il est important vraiment de faire les missions chapitres, hein, puisque plus vous en irez loin dans les missions chapitres, plus vous aurez de points quotidiens qui vous permettront d'accéder à des croquis. Et les croquis, c'est vraiment la base de ce qui est nécessaire dans le jeu pour être bien puissant. Il faut des bons croquis. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo et cette démonstration du mode de combat, je vous en ferai d'autres hein, sur le mode de combat, y compris sur la campagne. On parlera aussi plus précisément de l'équipage et des upgrades, notamment de la plateforme de défense et de la plateforme navale, comment ça marche, la puissance, comment s'améliorer et comment, sur quoi se focaliser sur les premiers jours, si ce n'est les premières semaines où vous serez dans le jeu pour monter en puissance. Je vous parlerai aussi plus longuement du système d'alliance qui permet d'avoir plus de plateformes et comment on peut les exploiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir, les amis. Et je vous en remercie vraiment énormément. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Patatou Gaming. Ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux et c'est toujours très fun d'échanger avec vous. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy.